L'immigration est donc souhaitable et souhaitée pour rééquilibrer les départs dans le secteur de l'emploi à domicile. Elle est souhaitée aussi par les particuliers employeurs. Poursuivons sur ce chapitre et pour réagir, nous accueillons Patrick Stefanini, fonctionnaire auteur de « Immigration, ces réalités qu'on nous cache » paru chez Lafond en 2019. François Errand, professeur au Collège de France. Ekram Bouktan, chercheur au Centre d'études et de recherche sur le développement international, auteur de « L'économie de l'immigration ». Violaine Carrère, chargée d'études chez Gisti. Bonjour, bonjour, merci d'être parmi nous. Et peut-être avant de vous entendre, une réaction, la réaction de Didier Lesky, qui est le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, également président de l'Institut européen en sciences des religions. Dans son dernier livre, Ce grand dérangement, l'immigration en face, paru chez Gallimard en 2020, il examine les fractures, ceux pour qui la France est une passoire, ceux pour qui la France est une forteresse. Et puis, il y a la réalité en vidéo. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs immigrations. On devrait parler d'immigration au pluriel. D'abord parce qu'il y a des flux qui sont de nature différente. Il y a le regroupement familial que je viens d'indiquer, qui est en gros 90 000 personnes, entre 90 000 et 100 000 personnes par an. Il y a des étudiants aussi, 90 000 personnes aussi tous les ans. Il y a toujours une immigration de travail, 30 000, 35 000 personnes tous les ans qui obtiennent des titres de séjour. Et puis, il y a les demandeurs d'asile qui sont là. Pour certains, ils vont obtenir l'asile et pour d'autres, ils ne l'obtiendront pas. Ça fait l'ensemble des flux. Mais après, il faudrait différencier entre nationalités parce que ce qui compte dans les immigrations, c'est le parcours d'intégration. L'office, c'est la première marche dans un parcours d'intégration où les personnes doivent accéder à l'autonomie. L'autonomie, ça passe par l'emploi et le logement et c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui. Je crois qu'il y a il ne faut pas avoir, en matière d'immigration, une vision utilitariste des choses. Je pense qu'une question est d'avoir une natalité forte, par exemple, c'est-à-dire une politique familiale qui, pendant très longtemps, a permis à la France d'être au-dessus de la moyenne européenne en termes de natalité et donc de renouvellement des générations. L'idée de faire appel à des personnes extérieures pour suppléer à des problèmes démographiques doit être pensé de manière articulée avec les difficultés d'intégration sociale que nous pouvons avoir, en particulier dès lors que les personnes sont peu ou pas qualifiées. Et je pense qu'il faut réfléchir ensemble. On peut effectivement estimer nécessaire de faire venir des immigrants, mais il faut en même temps régler, par exemple, les questions de logement. Il ne s'agit pas d'accentuer les effets de ghetto qu'on peut trouver dans certaines parties du territoire, ou que l'afflux de population ne soit pas suffisamment pensé avec un développement territorial en matière d'emploi comme de logement. Et j'insiste beaucoup sur les questions de logement qui sont aujourd'hui un frein extrêmement fort à l'intégration, nous le voyons, des réfugiés. Nous avons donné 150 000 protections ces dernières années à des personnes parce qu'elles étaient en droit d'être protégées. Et je constate malheureusement que ces personnes ont beaucoup de mal à accéder à un logement parce qu'en même temps elles ont du mal à accéder à l'emploi. L'OFI est très demandeur d'une collaboration avec des organismes de formation pour accompagner en particulier les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié vers l'emploi, mais de manière générale pour les personnes qui arrivent et qui seraient en recherche d'emploi, en particulier dans les métiers en tension, ce qui peut être le cas là. Nous sommes tout à fait favorables, nous en faisons avec certains OPCA, des collaborations, des secteurs où il y a à la fois une demande de main-d'œuvre et la prise en charge de la formation pour pourvoir à des emplois non pourvus. Donc nous sommes absolument partants, demandeurs pour des collaborations et donc avec aussi votre organisme.
Alors, j'ai écrit ce grand dérangement, l'immigration en face, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'immigration, très souvent, je dirais que la passion l'emporte. Et c'est dérangement au sens d'esprit dérangé, dans un sens ou dans l'autre. Il y a des personnes qui refusent toute hospitalité, ce qui serait une forfaiture. Hein, et puis, il y a des personnes qui considèrent qu'on peut accueillir et que tout ça ne pose jamais de problème et qu'il y aurait une possibilité illimitée d'accueil des personnes. Et moi, ce que j'ai voulu remettre à plat, c'est à la fois les chiffres, pour savoir exactement de quoi on parle. En France, il n'y a jamais eu autant d'immigrés qu'aujourd'hui, entre 10 et 11% de la population. Dans les années 30, c'était 3-4%. Voilà. Et nous sommes confrontés à des difficultés nouvelles que nous n'avions pas, parce que pendant très longtemps, les flux migratoires étaient corrélés au développement économique. Et depuis plusieurs décennies, les flux migratoires sont complètement décorrélés de la question du développement économique du pays. Le message que j'aimerais faire passer, c'est que les sujets d'immigration sont complexes et que bien les aborder, c'est essayer de se renseigner au mieux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce grand dérangement. François Héran, bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous, professeur au Collège de France, historien. Nous aimerions vous interroger, avoir votre avis, vos analyses sur la question suivante, finalement. Une immigration qui viendrait pour compenser la perte de centaines de milliers d'emplois qui seraient accueillis, qui seraient formés, qui seraient protégés, où il y aurait une attractivité des métiers. Vu de votre point de vue d'historien, maintenant, lorsqu'on prend le temps long éventuellement des hommes, quel serait, vous, votre point de vue ? Je ne suis pas historien de formation, même si, effectivement, comme tout démographe, la longue durée m'intéresse à la fois dans le passé et dans l'avenir. C'est un des intérêts de cette discipline, c'est qu'elle a quelques prétentions aussi à pouvoir faire des projections dans l'avenir. Je dirais que les immigrés ne sont pas là pour réparer les trous de notre pyramide des âges. Je suis un peu comme Didier Leschi de ce point de vue-là, sur ce point vraiment précis. Je ne pense pas qu'une vision purement utilitariste de l'immigration puisse me donner la clé des mouvements migratoires. Nous avons mis fin à l'immigration directe de travail en 1974. La décorrélation entre les besoins de l'économie et l'immigration commence à cette date-là. Sous Nicolas Sarkozy, il y a eu la réintroduction à dose homéopathique, hein, c'était vraiment très réduit, d'une immigration qui se voulait plutôt hautement qualifiée, alors que ce qu'on observe là, c'est qu'on a des besoins à tous les niveaux de qualification. Et notamment, ce qui est important, c'est de... elle vient de redémarrer assez fortement depuis quelques années, l'immigration économique directe, grâce au passeport talent, surtout grâce au fait que le passeport talent qui était réservé aux entreprises, aux entrepreneurs innovants, a été étendu en 2018 aux salariés des entreprises innovantes. Et c'est ça qui a permis d'accroître la part de migration de travail, mais qui reste quand même très très faible en France comparé à ce qu'on observe dans d'autres pays. Donc là, on a un retard à rattraper. Je voudrais simplement dire que un des enseignements de la crise du Covid, ça a d'abord été de faire prendre conscience à beaucoup de gens à quel point l'immigration était essentielle. Il y a eu des analyses extrêmement détaillées faites par des économistes français étrangers de toutes les enquêtes emploi en Europe, y compris la française, et la France signale par le fait que l'immigration est particulièrement surreprésentée, notamment l'immigration féminine, dans les emplois de services aux particuliers, mais aussi dans les emplois de nettoyage, de gardiennage, etc., mais qu'il y a une autre. Et j'avais été intéressé par tout cet aspect de la domotique qui a été abordé tout à l'heure, également dans un autre secteur, qui sont les technologies de l'information et la communication, où là, il y a une très forte représentation des immigrés, notamment parce que les formations qu'on acquiert dans ce secteur-là ne sont pas dépendantes du capital culturel familial. On n'est pas... Donc là, il y a une déconnexion. Hein, c'est la fameuse histoire de... On n'est pas obligé d'être capable de lire La Princesse de Clèves pour pouvoir décrocher un diplôme d'informatique. Donc il y a une très forte surreprésentation des immigrés dans ces secteurs. Et je pense qu'une évolution
intéressantes de votre secteur de l'emploi à domicile vers plus de qualifications pourraient passer effectivement par cette qualification. Voilà. Maintenant, il ne faut pas exagérer. On emploie l'immigration surtout dans les travaux qui se sont avérés essentiels. Hein. La Commission européenne a donné une définition de ces emplois qui consiste à manipuler directement les corps, les matériaux, pas toujours les plus nobles, et ça, ça ne peut pas se faire à distance, ça se fait physiquement, et c'est là qu'évidemment nous avons tendance à réserver ces emplois aux immigrés. Donc les immigrés sont essentiels, mais en même temps, il faut rappeler une chose, vous avez des sociétés entières en Europe qui vivent sans immigration, hein. Toute l'Europe de l'Est par exemple, il n'y en a quasiment pas, une société peut fonctionner sans immigration. Mais chez nous, c'est une composante ancienne, très importante, dont on ne peut plus se passer. Et en réalité, il y a toutes sortes de composantes dans la société qui sont absolument indispensables. L'immigration n'est qu'une des composantes parmi d'autres. Et je crois que s'il y a un message à faire passer, c'est qu'elle est devenue quelque chose de banal. C'est qu'elle est quelque chose de familière. Et j'étais très intéressé par les témoignages qui ont été projetés. On voit bien que c'est ce qu'on appelle la théorie du contact par rapport à la théorie du seuil. Il y a deux théories sur le rapport avec l'immigration. Soit plus on est familier avec l'immigration, plus on la pratique, et plus on l'admet, plus on la tolère, et plus on comprend qu'elle est vivable. Et puis l'autre théorie consiste à dire plus il y a d'immigrés, plus ça devient intolérable. Eh bien, toutes les expériences qui ont pu être faites, y compris à grande échelle, vous avez l'opposition entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. C'est l'Allemagne de l'Est qui était intolérante envers les immigrés alors qu'il n'y en avait quasiment pas, n'est-ce pas ? Donc l'intolérance était à l'Est et les immigrés étaient à l'Ouest. Bien, on a aussi de ça et on l'a beaucoup observé. Didier Leschi, avec qui j'en ai parlé assez souvent, me dit l'accueil des personnes mises à l'abri dans des coins, les villages les plus reculés, n'a posé finalement aucun problème. Il était le premier surpris de voir que lorsque des personnes acquièrent cette familiarisation avec des immigrés en chair et en os, les discours très généraux qui occupent les débats publics reculent. Hein. C'est un problème très général. Vous êtes contre, vous avez une piètre idée de la justice, une piètre idée du journalisme, une piètre idée de l'éducation nationale, mais dans votre lycée, quand vous avez eu affaire à la justice, etc., là, les opinions sont complètement différentes. Il faut distinguer dans l'opinion publique les opinions qui concernent des opinions très générales sur de grandes institutions, et ça, c'est le débat politique qui envenime les choses à ce sujet, ou la presse, et puis les opinions qu'on se fait sur des expériences concrètes qu'on a vécues, où là, très souvent, les positions sont très différentes. Mais faut-il ne pas en tenir compte ? Quel est votre discours ici ? Il ne faut pas tenir compte des opinions qui naissent précisément de la rencontre. Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent que l'opinion a tort, que le public est dans le faux, etc. Je n'ai jamais dit ça, si on me lit bien. Par exemple, il est clair que la composition de la population immigrée en France a considérablement changé. Il y avait à peu près 20% de personnes qui venaient du Maghreb ou du reste de l'Afrique en 75, en 82, quand on prend les recensements comme référence. Aujourd'hui, c'est 45%. Bon, évidemment, et pourquoi cette part a-t-elle augmenté ? Parce que pendant ce temps, l'immigration ibérique, espagnole, portugaise, s'est tarie, même si elle a un peu repris depuis. Donc c'est vrai que la part de la migration visible, la part de la migration venant de nos ex-colonies a considérablement grandi. Ça, c'est un phénomène un peu général qu'on observe dans toute l'Europe. Et donc, du coup, effectivement, ça, c'est visible. Et quand la population est sensible à ces changements visibles, elle ne se trompe pas, même si elle mélange les DOM, même si elle ajoute la seconde génération. Mais enfin, en gros, effectivement, il ne faut pas nier un certain nombre d'évidences dans l'évolution de la composition de la population qui sont très nettes. Mais on est tout à fait capable d'y faire face. Et voilà, je répondrai à d'autres questions si vous en avez. Merci beaucoup, en tous les cas, pour votre analyse, Monsieur Stéphanie. Permettez-nous d'abord de vous féliciter, conseiller départemental des Yvelines, récemment. Bravo, merci beaucoup. Vous êtes l'auteur de L'immigration, des réalités qu'on nous cache, paru il y a 2 ans chez Robert Laffont. Et dans votre livre, vous montrez que, à moins que je l'ai mal lu, on a plutôt perdu le contrôle de l'immigration. Est-ce le cas ici, dans ce qui nous occupe ou préoccupe ? Nous vous écoutons. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Non, je ne le crois pas parce que M. Errand y a fait allusion tout à l'heure. Il y a eu, au milieu des années 2000,
sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, d'abord dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur, puis comme président de la République, une sorte de révolution juridique sur votre secteur. Avec deux choses sur lesquelles je voudrais revenir, parce qu'elles sont fragiles. Comme toutes les constructions juridiques, elles peuvent être réversibles. La première, c'est qu'on a rompu avec la politique qui avait été définie en 1974-1975, qui était l'arrêt complet de l'immigration de travail. Et on a défini la notion de métier en tension, qui au départ n'est pas une notion ni de démographe, ni de spécialiste de l'immigration, mais plutôt de spécialiste du marché du travail, et qui consiste à faire l'inventaire d'un certain nombre de métiers pour lesquels chaque année, l'offre d'emploi ne trouve pas son débouché, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas la main-d'œuvre dont on a besoin. Et donc, au milieu des années 2000, on a, s'agissant de l'immigration, défini des métiers en tension pour lesquels on a rompu avec la politique de 1974-1975 et on a dit, pour ces métiers, pour lesquels structurellement on ne trouve pas de main-d'œuvre en France, on va à nouveau rendre possible l'immigration. On l'a fait au plan national et on l'a fait aussi en signant, ça c'est moins connu, mais je voudrais quand même en dire un mot, en signant avec toute une série de pays, pour l'essentiel situés sur le continent africain, des accords qu'on a appelés des accords de gestion concertée des flux migratoires et de co-développement. Et dans ces accords, on a en général étendu la liste des métiers en tension. Et pour avoir négocié au milieu des années 2000 la plupart de ces accords, je me souviens très bien que nous avons inclus dans la liste des métiers en tension et dans la liste des métiers en tension étendue correspondant à ces pays, bon nombre de métiers qui correspondent à l'emploi à domicile. La deuxième révolution juridique que nous avons apportée au milieu des années 2000, elle a trait à une préoccupation qui a été exprimée tout à l'heure par la personne qui nous a présenté les résultats du sondage, c'est-à-dire la volonté des employeurs que leurs employés soient en situation régulière. Parce qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension, la déclaration que doit faire l'employeur, bon, ça relève du droit du travail, c'est une chose. Mais encore faut-il que l'employeur ait la garantie que le salarié qu'il a recruté est bien en situation régulière sur le territoire français et dispose de l'autorisation de travailler sur le territoire français. Donc nous avons, au milieu des années 2000, créé une procédure assez simple et qui est toujours en vigueur et qui permet à tout chef d'entreprise, et l'employeur en domicile, c'est un chef d'entreprise, comme un autre, c'est une dimension plus modeste, mais c'est un chef d'entreprise qui permet au chef d'entreprise, avant de recruter un salarié de nationalité étrangère, de vérifier avec la préfecture que ce salarié dispose bien du droit non seulement de résider sur le territoire français, mais également d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français. Donc il y a eu cette double révolution juridique et je crois qu'elle a été très utile à votre secteur. Vous avez dit fragile et vous avez ajouté fragile. Hein, vous avez dit fragile. Alors fragile sur le premier volet parce que l'ouverture qui a été voulue par Nicolas Sarkozy en matière d'immigration économique au milieu des années 2000, et on a appelé ça l'immigration choisie. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait décidé d'encourager deux types d'immigration, l'immigration économique, l'immigration des travailleurs, celle qui vous concerne, mais également l'immigration des étudiants. Et sur les deux points, l'évolution qui a fait suite aux mesures législatives ou réglementaires adoptées au milieu des années 2000 a montré que cette politique a été un succès. Je vais citer quelques chiffres. En 2000, on avait délivré 14 000 titres de séjour à des étrangers pour des motifs économiques. Et ça représentait en 2000 à peu près un peu moins de 10% du total. En 2019, qui est la dernière année pour laquelle les statistiques ont de la signification hors pandémie, on a eu 39 000 titres de séjour délivrés pour des motifs économiques sur un total de titres délivrés qui était de 274 000. Donc vous voyez qu'on était passé
à une immigration économique représentant quasiment 16 à 17% du total. Alors évidemment, la pandémie a frappé de plein fouet l'immigration économique. On est retombé en 2020, je crois, à 26 000. Ce qui prouve que l'immigration, c'est un facteur qui dépend, c'est un facteur humain, mais c'est un facteur qui dépend aussi de tout ce qui affecte l'homme, donc des épidémies et de la conjoncture économique. Alors le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que vous ne pouvez pas vous reposer uniquement sur l'immigration pour faire face au défi du vieillissement. Pourquoi ? Bah, d'abord parce que la société française n'est pas prête à accueillir le nombre d'immigrés qui serait nécessaire pour faire face à tous les besoins de votre secteur. Bon, j'ajoute que ça tombe également sous le sens. Tout à l'heure, on a rappelé que votre secteur emploie environ 22% de ressortissants étrangers. Par définition, 22%, c'est pas 100%. Et puis, vous le savez bien, l'immigration dans la société française suscite parfois des réactions négatives. Tout à l'heure, vous avez dit que le regard porté par les employeurs à domicile était un regard plutôt positif. Mais ce regard, il n'est pas unanimement partagé dans la société française d'aujourd'hui. Et je crois donc que vous ne pouvez pas vous reposer uniquement sur l'immigration. J'ajoute que j'ai cité les chiffres de l'immigration économique, mais il y a beaucoup de personnes qui immigrent en France pour d'autres motifs, par exemple pour des motifs familiaux. Et tout à l'heure, Didier Lesquier rappelait que l'immigration familiale, c'est 90 000 personnes chaque année, donc c'est beaucoup plus que l'immigration économique. Mais ces immigrés familiaux qui sont venus en France sur des critères qui tiennent absolument pas compte de leur aptitude à exercer un emploi. Ils sont venus parce qu'ils avaient des liens familiaux en France. Mais une fois qu'ils sont en France, au bout d'un moment, en général au bout de 2 ou 3 ans, ils viennent sur le marché du travail, ils cherchent un emploi. Et ils peuvent à ce moment-là être candidats à des emplois à domicile. Donc le concept d'immigration, de ce point de vue-là, il est un petit peu ambigu. Mais par contre, il y a un point sur lequel je voudrais beaucoup insister, c'est le suivant. Chaque année en France, vous avez environ 150 000 jeunes qui sortent de l'école, ils n'ont ni diplôme, ni formation, et donc évidemment, ils n'ont pas d'emploi à la sortie de l'école. Et il faut penser à ces jeunes, il faut s'adresser à ces jeunes. Bon, on les appelle les décrocheurs, mais peu importe. Il faut penser à ces jeunes. Et une partie d'entre eux peuvent être attirés, et j'allais dire quel que soit leur sexe, par les emplois à domicile. Mais pour ça, il faut que votre profession fasse l'effort qui a été évoqué à plusieurs reprises dans les interventions depuis ce matin, c'est-à-dire un effort pour souligner le caractère attractif de ces emplois, pour souligner le caractère extraordinairement valorisant de la relation humaine qui s'établit entre l'employeur à domicile et son salarié. Cette relation très, très personnelle, qui a été cité dans les témoignages qu'on a vus tout à l'heure dans les vidéos, évidemment, on ne la retrouve pas dans beaucoup d'autres métiers qu'on exerce dans des grandes entreprises. Donc, votre secteur a un atout, mais encore faut-il qu'il le cultive. Et je suis venu aussi dire ça. Il a un atout, c'est qu'il peut attirer un certain nombre de personnes, issues ou non de l'immigration, et qui trouveront dans l'emploi à domicile à la fois un débouché professionnel, mais aussi une occasion d'épanouissement personnel. Merci beaucoup, Monsieur Stefanini. Merci beaucoup. Ikram Bouptan, vous êtes chercheur au Centre d'études et de recherche sur le développement international et vous êtes l'auteur de « L'économie de l'immigration ». Vous ne parlez pas de la dimension économique de l'immigration, vous nous parlez de l'économie de l'immigration. Qu'avez-vous à nous dire ? Donc, d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie et surtout honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc, oui, je vais parler de l'économie de l'immigration. Pourquoi ? Parce qu'on vient d'en parler actuellement. Il n'y a pas que de l'immigration pour motif professionnel. Donc, comme l'ont rappelé Monsieur Stefanini, l'immigration pour motif professionnel, c'est une part relativement
faible de l'immigration totale en France. Elle représente entre 10 et 20% selon pas qu'on inclut les étudiants internationaux qui ont changé le statut. Et donc cette politique d'immigration pour motif professionnel qui consisterait à accorder des autorisations de séjour en France pour occuper principalement un emploi, elle est relativement faible et elle est depuis 20 ans et même depuis plus de 40 ans. Ce que je voulais préciser, c'est que les autres aspects de l'immigration, donc l'immigration pour motif familial, l'immigration pour motif humanitaire, cette immigration-là aussi, elle contribue à l'économie. Donc, rapidement, donc lorsque, si on prend l'immigration dans son ensemble, donc sans faire de distinction entre les catégories, simplement en prenant en compte le fait qu'il y a des personnes qui bénéficient de la libre circulation, qui sont les Européens, qui peuvent s'installer librement pour travailler soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente. Et il y a ceux qui ne bénéficient pas de cette libre circulation et qui sont soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour. Et donc je vais me concentrer sur cette seconde catégorie, sans faire de distinction de nationalité. Donc si on prend cette immigration dans son ensemble et qu'on prend le temps long, donc prenons les 20 dernières années, et surtout... Ne faisons pas un arrêt sur image au moment où la personne arrive, quelle est sa situation à un instant T. Et prenons aussi en compte les effets directs et les effets indirects, parce que c'est ça l'économie. Dans ce cas, ce qu'on va constater, et ce qu'on montre, c'est que l'immigration dans son ensemble, elle contribue positivement à la production nationale, elle contribue positivement à l'accroissement du niveau de vie moyen lorsqu'on le mesure avec la production nationale rapportée au nombre des habitants, elle ne contribue pas à augmenter le chômage. Donc là, lorsqu'on prend cette image générale de l'immigration, allons un petit peu en détail dans les catégories. Et plus précisément, cette immigration familiale. Cette immigration familiale, lorsqu'on la regarde de près, et pareil, on prend cette même approche, où on prend en compte les différents aspects, les conjoints et conjointes des immigrés qui arrivent, ou les conjoints ou conjointes des Français, elles peuvent, non seulement elles contribuent à la vie économique en consommant et en s'installant, mais elles peuvent aussi s'insérer sur le marché du travail, et s'insérer sur le marché du travail, notamment dans l'emploi à domicile. Et dans les témoignages qu'on avait écoutés, il y avait au moins 2 personnes qui ont précisé qu'elles sont arrivées dans le cadre familial. Et donc cette migration familiale, lorsqu'on évalue ses implications économiques, toujours dans cette approche longue sur les 20 dernières années, on peut montrer qu'elle a aussi un effet positif sur l'économie dans son ensemble, qu'elle contribue à augmenter le niveau de vie et qu'elle contribue à réduire le chômage. Pourquoi ? Simplement parce que ces personnes vont occuper des emplois qui sont des emplois en tension, dans le service à domicile, mais pas seulement. Et ces emplois sont plutôt complémentaires à d'autres emplois qui sont occupés soit par les Français, soit par les immigrés des autres générations. Et donc, on arrive effectivement à des implications de cette immigration qui n'est peut-être pas celle dite choisie, qui aurait des implications plutôt positives sur l'économie. Merci. Merci, Ekram. Violaine, on passe à la partie pratique. Vous êtes chargée d'études dans le groupe d'information et de soutien des immigrés, le GISTI. Comment organiser cette immigration ? Donc, je ne vais pas revenir sur un certain nombre de questions qui me paraissent cependant très importantes de détailler. Et c'est vrai que Ekram Boban a commencé, il me semble, à faire des distinctions qui ne me semblent pas inutiles de faire entre personnes étrangères, étrangères européennes, non européennes, personnes étrangères avec un titre de séjour régulier ou pas régulier. Enfin, tout ça a des conséquences en termes de droit. Qui sont importants. Je trouve que on a évoqué la fin de l'immigration de travail de 74. Quand même, la conséquence majeure de cet arrêt, qui a ensuite subi quelques tournants dont on parlait François Héran et M. Stefanini, c'est quand même que la nouvelle exigence, c'est il faut une autorisation de travail
pour pouvoir séjourner sur le territoire français et y travailler. Il y a donc aujourd'hui une situation dans laquelle on a des personnes étrangères qui ont un titre de séjour qui les autorise à travailler. Elles doivent vérifier, en effet, elles devaient le faire d'ailleurs avant que ce soit, ça leur soit facilité par le passage en préfecture. Mais enfin, voilà, un employeur a toujours eu besoin de vérifier que la personne qui l'emploie est en capacité de travailler, a le droit de travailler. Et puis, l'autre chose, c'est en effet les possibilités pour un employeur d'essayer d'obtenir que la personne qu'il souhaite embaucher puisse obtenir un droit au travail qui lui donnera un titre de séjour. Le problème de tout ça, c'est quand même qu'on se trouve devant des disparités importantes avec des personnes qui se trouvent pouvoir manifester, des employeurs qui se trouvent pouvoir manifester assez facilement que l'emploi pour lequel ils cherchent à recruter est un métier en tension, parce que ça figure sur une liste qui vient d'ailleurs d'être modifiée tout récemment. Il y a une nouvelle liste de métiers en tension qui a été mise à jour, si je puis dire, tout récemment, là, au printemps 2021. Ou bien sinon, il faudra qu'il fasse la preuve qu'il n'arrive pas à trouver une personne en capacité d'occuper un emploi. Et ça, ça a des conséquences très très lourdes, parce que soit l'employeur sait d'avance qu'il n'aura aucune chance de pouvoir apporter cette preuve, donc il ne va même pas chercher, et donc il va employer de façon dissimulée, c'est-à-dire sans déclarer la personne. Soit l'employeur va faire la demande et il va se trouver avec une réponse qui sera ou non favorable ou défavorable. Mais de cela, ça entraîne des conséquences tout à fait considérables pour la personne qui va travailler, qui soit va se trouver travailler dans des conditions pour lesquelles elle pourra se saisir des droits qui figurent dans le Code du travail, ils ne sont pas très nombreux concernant les emplois à domicile, dans la convention collective dont vous nous avez parlé ce matin et qui vient donc d'être établie dans une nouvelle version. Mais là, le problème, c'est pour que ces droits soient effectifs pour toutes les personnes, y compris des personnes pour lesquelles il n'y a pas eu la possibilité d'obtenir une autorisation de travail et un droit au séjour, comment faire en sorte que leurs droits effectifs soient reconnus, soient respectés, qu'ils puissent en obtenir la garantie. Les personnes qu'on appelle sans papier, sans titre de séjour, ont des droits. Le Code du travail dit qu'ils sont des travailleurs comme les autres, qui sont assimilables à un autre travailleur. Le problème, c'est que quand vous êtes sans papier, vous avez peur d'être expulsé, vous avez peur, même si vous avez le droit d'y aller, d'aller au prud'homme, vous avez peur de trahir quelqu'un ou de dénoncer quelqu'un qui vous a aidé, et en fait vous ne faites pas en sorte que vos droits soient garantis, et ça peut mener à des choses très graves. J'avais l'intention de commencer par là dans mon intervention, c'est de dire quand même, vous connaissez je pense les uns et les autres la dénonciation que fait le CCEM, le comité contre l'esclavage moderne, de ces cas dans lesquels des personnes se trouvent enfermées, battues, travaillant 24 heures sur 24 et 365 jours par an pour des salaires dérisoires. Éventuellement, elles sont violées et torturées pour faire bonne mesure. Qu'est-ce qui pourrait garantir qu'on ne puisse pas se conduire de cette façon et qu'il y ait une garantie de possibilité de recours effectif pour défendre ses droits? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons inverser complètement la perspective. Démarrons par ce qui vient d'être dit. 700 000 emplois, on va les chercher comment? Et là, vos intervenants vous disent, oui, vous pouvez aller bien sûr vers l'immigration, méfiez-vous cependant, vous devez avoir un strabisme divergent. D'un côté, ayez bien le regard vers cette relation extraordinaire de confiance entre les personnes. D'un autre, ayez bien aussi le regard sur les grands chiffres. Il va falloir que vous ayez cela. D'autre part, M. Stefanini vous dit, vous ne pourrez pas tout faire avec l'immigration. Soyez vigilants sur ce point. Pensez aux 150 000 jeunes et arrive à ce moment-là la notion d'attractivité de ces métiers. Et dans l'attractivité des métiers, vous avez ici des compétences qui se sont mises en route depuis des années pour pouvoir fixer un certain nombre de conventions nationales, d'abord collectives. Également, vous l'avez vu, c'est l'extension, le déploiement de l'alternance. Là aussi, c'est en route de façon à ce que l'attractivité des métiers puisse être mise en place. Et on ajoute aussi, pensez à cette régularité, à cette singularité de vos métiers, mais tout doit se faire dans la légalité. Voici où nous en sommes. Ouh.